Vous écoutez le Move. Ensemble, nous allons vivre une très grande histoire d'amour. David Buniac, bonsoir, je me présente. Moi, c'est Anne-Ma, dans le jargon de la RATP, on pourrait dire que je suis une sorte d'accident voyageur de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un livre écrit en braille, qu'on aurait offert à un aveugle manchot. Et que du coup, malheureusement, eh bien personne ne finit jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, quand même, physiquement, du fait de votre ascendant Dumbo, vous êtes du coup une sorte de mix entre ce beau Nikos Aliagas et cette sorte de castrat bon marché qui est ce sympathique Calogero. Et bien malgré ce quasi-carton rouge. Ça fait toujours plaisir. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un humoriste de talent qui bien que totalement inconnu du grand public, mais aussi de Wikipédia. C'est la belle audace de contrairement à un Jérôme Daran qui joue le même spectacle depuis 7 ans maintenant. Déjà à son troisième one-man show, puisqu'après avoir écumé les MJCN de France et de Belgique avec Attachez vos ceintures en 2007, un comiquement responsable en 2010, et bien vous revenez aujourd'hui avec un spectacle intitulé Trop pleine de vie, un des spectacles ambitieux qui, beaucoup malheureusement, n'ont jamais réussi à séduire cette sorte de dodo la saumure de l'humour qu'est monsieur Laurent Ruquier. J'ai découvert que malgré vos nombreuses tentatives, bien, vous avez été éliminé 2 années de suite de sa délicieuse émission. On ne demande qu'à en rire. C'était votre premier passage en récoltant la note quelque peu humiliante de 5 sur 20. Un échec relativement cuisant à prendre, cela dit, avec des pincettes quand on sait que deux humoristes aussi biodégradables que déprimants, comme le Véronneau et autres Jérémy Ferrari, flirtent régulièrement avec le 20 sur 20. Et en parlant d'indécence, justement, j'ai découvert que sur scène, vous incarnez un professeur pédophile qui a ses petites techniques à lui pour inculquer en profondeur son savoir aux enfants. Vous dites d'ailleurs, avec les enfants, il suffit de crier un peu et puis c'est la tétanie. Et ensuite, on peut travailler tranquillement à une technique d'intimidation aussi traumatisante qu'efficace. Qu'a d'ailleurs souvent utilisé mon pépé, qui est plus retraité depuis des années de ses activités de pédiatre. Et là, se consacrait lui aussi beaucoup d'énergie. Il se tait mon plus jeune âge pour me transmettre aussi bien son savoir que son air plus génital. Et à propos d'avoir la guitare qui démange, justement, sur scène, vous incarnez également le personnage de Steven, un prédateur de l'amour et adepte du speed-nicking, ces soirées destinées aux célibataires qui n'ont que seul objectif, finalement, celui d'aller droit au but, comme on dit à l'OM. Et vous savez quoi, bien, excusez-moi. Vous savez quoi, j'ai envie d'y voir un signe, car je sais que mon petit n'ayant malheureusement jamais réussi à conclure aucun homme extérieur à mon arbre généalogique, évidemment. Et bien, de ce fait, j'aime pourtant vous dire que, comme un cage de foot et moi-même, serions absolument ravi à l'idée de vous laisser marquer un poteau rentrant, si vous voyez ce que je veux dire. Sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, je vais tenter la chance en Ukraine, où l'on fête aujourd'hui les 26 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Donc aussi comme moi, l'aventurier de l'amour qui est en vous, on n'a qu'un souhait finalement, celui d'être enfin irrité de bonheur, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.